Salut à tous et à tous les amis, c'est Mega Samir qui vous parlait. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones et nous allons donc énoncer des petites théories assez intéressantes. Donc je vous conseille d'avoir vu les 7 premières saisons de Game of Thrones, sinon vous allez vous faire spoiler tout simplement. Donc la théorie c'est qui va mourir dans la saison 8 de Game of Thrones, la toute dernière. Donc j'ai pris 3 des personnages principaux, les 3 meilleurs pour ma part, qui est Arya Stark, Jon Snow et Cersei Lannister. Bien entendu, il se peut qu'il y ait d'autres personnages principaux qui vont mourir tout au long de la saison 8. Ça je le pense, parce que d'un côté, nous attendons la dernière saison de Game of Thrones, et au vu que ça a commencé, vous avez dû constater qu'il ne faut jamais s'attacher à un personnage dans cette série, sinon il va se faire tuer automatiquement. Donc je pense qu'il reste entre guillemets une dizaine de personnages principaux depuis le début de la saison 1. Et je pense que dans chaque épisode, ou au moins dans chaque minute, c'est vraiment un ordre d'idée, au moins 3/4 des personnages principaux vont mourir dans cette saison 8. Donc déjà, le premier personnage que je vais énoncer, c'est bien entendu mon personnage préféré, qui est Arya Stark. J'ai dû vous le rabâcher assez souvent dans mes théories, dans les vidéos critiques de la saison 7, mais vraiment ce personnage-là a eu un développement mais assez intéressant, mais vraiment j'étais bouche bée à partir de la saison 4. Je m'explique, Arya Stark est un personnage, donc elle a eu une enfance très difficile, à partir de la fin de la saison 1 tout simplement, elle a vu son père se faire tuer, entre guillemets. Elle est donc passée d'une enfance chétive à vraiment un assassin badass. Comparer la saison 1 à la saison 7, et vous allez voir qu'il y a eu véritablement un personnage waouh, enfin une évolution vraiment grandiose. C'est vraiment une des personnes. Donc le but de Arya dans cette nouvelle saison de Game of Thrones, c'est bien entendu, je pense, ça c'est sûr et certain, de tuer Cersei Lannister, le nom au top de sa liste en fait. Le but en effet de cette saison 8, c'est d'éradiquer donc les marcheurs blancs, les méchants de cette série en fait. Et à la fin de la saison 7, on a eu une espèce de ralliement entre toutes les armées des personnages principaux. Et bien entendu, je pense que ça va être exact, ils vont pouvoir s'allier pour pouvoir détruire les marcheurs blancs. Et c'est à partir de là que la moitié, je pense, des personnages principaux de Game of Thrones vont se faire tuer. La deuxième question à se poser, c'est va-t-elle se faire tuer ? Donc, mystère et boule de gomme, je pense que oui, parce que au vu vraiment du tournant de cette série, il y a vraiment pas mal de personnages, j'étais pas vraiment d'accord sur la mort de certains personnages, et si vous tuez Arya Stark grâce à cette bataille, en fait, entre les armées terrestres, on va dire ça comme ça, humaines, contre les marcheurs blancs, c'est vrai que ça va être assez magnifique, sa mort, mais je vois mal vraiment Arya se faire tuer par un des personnages principaux parce qu'elle n'a pas vraiment d'ennemis. Deuxième personnage à énoncer à sa future mort, c'est bien entendu Jon Snow. Donc devenu le King of the North à la fin de la saison 6, et dans la dernière saison, il s'allie donc avec Daenerys de la famille Targaryen, et on apprend à la fin de la saison 7, grâce à Brandon Stark, qu'il est un membre de cette famille. Je pense qu'il va se faire tuer, lui, c'est sûr et certain. Vous savez pourquoi? Parce que il y a une rumeur qui circule comme quoi Jon va se faire tuer par le roi de la nuit, donc le chef des marcheurs blancs, si je ne dis pas de bêtises. Donc il va y avoir la dernière confrontation, vous savez, la bataille dans l'épisode, on va dire, vu qu'il y a 6 ou. Non, il y a 4 ou 6 épisodes, je ne sais plus, mais à partir du final en fait de Game of Thrones, je pense que voilà, toutes les armées vont s'attaquer, etc. Le Jon va arriver contre le roi de la nuit et ils vont s'attaquer, etc., etc. Et pour pouvoir anéantir le roi de la nuit, Jon va se faire tuer en fait par lui-même, enfin par lui. Il va y avoir une espèce de grande confrontation, je le sens, parce que c'est vraiment entre lui et Daenerys, on voit très bien que c'est vraiment eux les deux personnages, les piliers en fait de cette série, c'est eux deux en fait. Et donc j'ai complètement oublié certains personnages aussi, il y a aussi Jaime Lannister qui va peut-être se faire tuer par le roi de la nuit, ou peut-être Brienne va le sauver, etc. On sait guère. Ensuite il y a Sansa qui va se faire tuer, j'en doute, mais ça c'est sûr et certain, on va compter ensemble le nombre de personnages qui restent dans Game of Thrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ce que j'ai dit, il y a une dizaine de personnages qui restent. Donc au moins allez, 8 ou 9 vont se faire tuer dans cette série, dans la dernière saison, c'est sûr et certain. Croyez en mon expérience, quand vous voyez autant de séries que moi, vous pouvez vous dire, surtout que c'est la fin,
pouvez vous dire qu'il va y avoir au moins la moitié ou même les trois quarts qui vont se faire tuer. Déjà, regardez le début de la série jusqu'à cette dernière saison, vous avez pu constater qu'il y a au moins tous les personnages, les meilleurs personnages qui se sont fait tuer. Donc voilà les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi donc cette petite vidéo théorie sur Game of Thrones. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir au moral, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la première vidéo critique sur la saison 8 de Game of Thrones. Bon, on a vraiment le temps, il reste un an. Je crois que la série va être... Enfin, la saison 8... Allez, pour vous dire, je pense que la saison 8, allez, ça c'est juste une idée comme ça, va être diffusée en avril 2019, retenez bien cette date les gens, avril 2019, c'est la saison 8 de Game of Thrones. Écrivez votre propre théorie dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir, et moi je vous retrouve donc demain pour une vidéo, peut-être théorie ou peut-être critique, sur les séries DC Comics. C'était Megasamir, bye tout le monde!